Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Et cette fois-ci, il fallait forcément que je m'attarde sur Valkyria Chronicles, le remastered sur PlayStation 4. Ah, je l'ai dit et je le redis pour ceux qui me connaissent, il s'agissait de mon jeu préféré sur PlayStation 3, impossible de passer à côté. Édité et développé par Sega, sorti officiel le 17 mai 2016 et Peggy nous le déconseille au moins de 16. Superbe note de 17 sur 20, même si à la base il avait chopé un 18 sur PlayStation 3. Malheureusement très très peu connu de notre société de gamers vidéoludiques parce qu'il a eu une très mauvaise communication. Il en fait un carton dans les pays de l'Est, aux États-Unis, enfin néanmoins en Europe ça n'a pas du tout été ça. Malheureusement, c'est pour ça que les deux autres opus de la série, Valkyria Chronicles 2 et 3, ne sont sortis que sur PSP. Mais pour l'annonce de Valkyria Chronicles 4, un remastered du 1 a été fait. Et merci du coup à Sega. On va du coup parler dans un premier temps de tout ce que le jeu a à nous proposer. Puis ensuite, on fera une petite partie pour que vous voyez de quoi il en retourne. Petit point négatif, c'est le seul que j'ai pu lui trouver. C'est que le jeu n'a pas été traduit depuis sa version PlayStation 3. Il est complètement en anglais, dialogue et sous-titres compris. Mais bon, rassurez-vous, il ne faut pas non plus un gros niveau d'anglais pour comprendre. C'est surtout du langage assez tactique et militaire. Et quand on baigne dans tout ce qui peut être des Call of, des Battlefield ou des jeux où est-ce qu'il y a une guerre en arrière-plan, eh bien, voilà, on comprend les mots style rush, attack, defense. Enfin, voilà, il n'y a que de ça dans les phrases, donc ne vous inquiétez pas. Le menu nous propose en fait sous forme de bouquin une sélection des chapitres, une table de sélection, une sauvegarde à faire manuellement, oui parce que c'est un jeu Sega, il ne sauvegarde pas automatiquement, à le savoir. Attardons-nous sur la table des matières. Donc par exemple, les personnages du coup à sélectionner, voilà, ici dans le personnel, vous voyez, ce sont pour l'instant tous les personnages qui peuvent être joués. À part le médic jusqu'au général Grégor, ça c'est un personnage secondaire chez nos amis et ça ce sont les méchants, mais tout le reste ça peut faire partie de votre unité, on y viendra plus tard pour que je vous explique pourquoi il y a tant de personnages. Le jeu nous propose bien sûr dans le Headquarters, qui est donc du coup le quartier général, le HQ si vous préférez pour les fans de Metal Gear. Qu'est-ce qu'on a à nous proposer? Donc ici dans le Squad Barrack en fait, on peut équiper nos gars de fusils et autres modifications de grenades qu'on aura pu apporter en allant les modifier dans le R&D Facility. La Command Room nous permet en fait d'enlever des soldats de notre escouade ou d'en rajouter. Le training field, attardons-nous là-dessus parce que c'est là-dessus que vous allez passer la plupart de votre temps. Nous rentrons donc du coup dans le camp d'entraînement et en fait vous avez des points d'expérience comme vous pouvez le voir en haut à droite. Et il faut que vous augmentiez donc du coup les 5 postes de joueurs qui vous sont proposés pour former votre escouade. Les scouts qui ont des fusils semi-automatiques, les shock troopers, les mitraillettes, des lanceurs bazooka, ingénieurs, ceux qui réparent votre char d'assaut. Et les snipers, c'est écrit. Bon, ayant que 5000 et quelques d'XP, je ne peux augmenter aucune de ces personnes au max. Donc, inutile de les assigner. Je préfère avoir assez d'XP pour prendre de suite un level. Et la deuxième chose où est-ce que vous allez devoir vous arrêter, c'est le facility pour pouvoir vous équiper et upgrader vos armes. Par exemple, en fonction des levels que vous aurez attribués au camp d'entraînement, vous pourrez donc du coup débloquer des nouveaux niveaux pour vos fusillés et leur acheter de nouvelles armes, etc. Vous voyez en bas, le range en gros c'est une note globale. Le IM c'est en gros la note qui lui est donnée, ça va de D à A+, voire même S il me semble. Vous voyez ensuite donc du coup versus personne, donc du coup combien ça fait de dégâts à la personne au niveau CHP, contre la armure, combien de tirs cela va effectuer, donc 5 shots une fois qu'on voudra faire l'action de tirer. Pour tout ce qui est, voilà, les machine guns, ce sont les mitraillettes, vous voyez à peu près à quoi elles ressemblent, les lanceurs, bref, et à chaque fois que vous avez de l'XP à claquer dedans, n'hésitez pas. Le Edelweiss, c'est le nom de votre char, et il faudra aussi l'améliorer avec le temps. Bon, là, je n'ai toujours pas assez pour améliorer mon canon, mais il faudra ensuite lui améliorer ses chenilles, la résistance, la rapidité, le drive system, comme vous pouvez le voir, par exemple, là, j'ai assez, je vais le claquer.
Voilà, une fois que ce sera mis, vous aurez une petite table des matières, et là vous voyez en fait qu'il faudra enlever ou rajouter en fait des compléments dans le circuit du Edelweiss en fait pour vous ajouter, ce qui vous permettra de l'améliorer. Vous voyez que ma trade defense va passer à 50 si j'inclus celui-là, donc il faudrait que j'enlève celui-ci, mais bon, comme il va me prendre 4 slots, vous pouvez le voir parce qu'il y en a un en haut à gauche et un en haut à droite, donc qui ont pour un égal de 2 slots chacun. Il faudra que je fasse un petit peu le ménage, je m'y attarderai plus tard, mais bon, c'est pour vous montrer un petit peu la logique sur quoi se cale le Edelweiss pour améliorer un char. Notez-le bien, si vous avancez dans le jeu, un deuxième char d'assaut vous sera proposé, et vous pourrez compléter votre escouade non seulement de fantassins, mais aussi du coup de 2 chars. Donc ça c'était la petite précision pour tout ce qui est la modification de ce jeu, qui porte bien sûr son nom, qui le porte bien même, c'est un tactical RPG en tour par tour, version Risk, et avec un mix de TPS. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce Méli-Mélo gourmand? En effet, sans plus attendre, de toute façon, on va revenir sur le book mode, on va pouvoir faire une mission que j'ai déjà faite, comme ça au moins... Je saurai de quoi aussi en retourne pour vous parler avec plus d'aisance. Voilà, donc c'est ici. On va faire du coup cette mission qui est moyennement longue, elle va me prendre une dizaine de minutes. Et ben, du coup, comme ça, je vais pouvoir vous parler un petit peu du jeu avec plus de profondeur. Allez, c'est parti. Alors. Bon. Pour en venir avec plus de précision sur ce qu'il en retourne au niveau du jeu. Donc là, vous pouvez le voir sur la map, je vais avoir en fait 2 spawn zones. Hein, donc j'échoue, si Walking Sinzoku, s'il y avait un tour qui passe, ok. Du coup, donc on va poser nos unités. Donc comme vous pouvez voir, il y a un char d'assaut. Donc là, il me faut absolument un ingénieur pour pouvoir soigner mon char. Le sniper, on va le mettre là-bas. Je sais qu'il y a plus de monde, ce sera beaucoup plus cool. On va mettre l'excellente Marina ici. Des chars, autant de l'attaquer par là. On va mettre un fusilier ici. Ouais, plutôt un choc trooper, on va foutre Eddie là. Jeanne, je la bougerai plus tard. Voilà. Et du coup, il me reste Rosé à foutre et on va mettre Aikia là. Voilà qui est fait. Du coup, donc voilà. Bon, ce sont des personnages que j'ai l'habitude de jouer. Alors, pour parler justement des personnages. Ok, oui. Bon, repoussons les forces en dehors, les forces impériales en dehors de Galia. Squad 7, move out, comme dit Welkin. Donc du coup, en fait, les personnages sont à gérer d'une certaine manière. Donc comme vous pouvez le voir dans un premier temps, en fait, c'est un style de plateau de jeu à la Risk. On voit en mode du dessus, et quand on veut diriger, on passe en TPS et on dirige comme un jeu TPS lambda. Et une fois qu'on a terminé, on peut passer notre tour. Il n'y a droit qu'à une action par personnage, que ce soit jeter une grenade, se soigner ou tirer. S'il s'agit d'une seule action, on peut en faire qu'une par tour, sinon il faudra reclaquer un point de compétence. Donc là, je termine avec le sniper, je le positionne ici. Parce qu'à savoir que quand les ennemis se déplacent, mes alliés peuvent lui tirer dessus, tout comme l'ennemi. Bon, là, je vais pas essayer de dégommer les sacs de sable, voilà. Histoire que ça les cache un petit peu. Du coup, voilà. Placer les personnages en fonction de leur affinité. Il y en a, ils seront par exemple allergiques à la poussière. Donc il y aura des maps dans le désert. Il faut absolument pas les prendre car sinon ils seront ralentis. Leur stamina va baisser beaucoup plus vite. Ils vont avoir. Le stamina, c'est la barre jaune en bas. Vous voyez, elle descend. Et une fois qu'elle est vide, je suis obligé de faire mon tour d'action. Enfin, je dois terminer mon tour d'action parce que c'est foutu. Que je vous montre autre chose. Les hautes herbes que vous voyez en face, en fait, peuvent divulguer des ennemis, en fait. Donc là, il faut les passer au peine fin, en fait. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Vous voyez, il allait commencer à me tirer dessus, mais quand je suis passé en mode visé, c'est-à-dire que c'était mon tour, mais il a arrêté. Voilà, il faut les débusquer aussi, c'est ça qui est vraiment sympa. Et ils ont leur affinité, certains personnages préfèrent jouer avec d'autres gars parce qu'ils s'entendent mieux, donc ça va leur faire monter leur précision, des choses comme ça en fait. Donc c'est vraiment de la gestion, c'est pour ça qu'on appelle ça un tactical. Tour par tour, vous pouvez le voir, je nique mes points d'action en haut, mes control points comme vous avez vu, le CP. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un tour par tour.
Une fois qu'on s'enclenche en mode visée, l'ennemi ne peut plus tirer, et c'est à nous de le flinguer. Putain, c'est puissant, j'ai bien fait de monter mon fusil. Bon, après, c'est un jeu que j'avais déjà terminé sur PlayStation 3. Il y a, que je me rappelle, une dizaine de chapitres, et on en a pour environ, on va dire, allez, une quinzaine d'heures de jeu. Si par contre, vous voulez tout faire, tenter de le platiner, etc., sans mentir, on dépasse les 100 heures. Bon, là, j'ai plus de stamina. Non, je vais pas tirer. Je pense pas, non, ouais. En plus il doit être par là. Je vais le débusquer à la grenade. Voilà, comme j'ai fait la map, je sais où sont les ennemis. Ah bon, il était un peu trop à droite, bon c'est pas grave. Oula, hop, voilà, je m'allonge, comme ça il pourra pas me voir. Voilà, et là je n'ai plus de control point, et c'est à la phase adverse de le faire. Voilà, voilà. Non, comme je vous l'ai dit, franchement, le jeu est vachement bien. Il a été assez lifté pour la PlayStation 4, c'est sympa. Ça reste après très, très façon cel shading, mais c'est super. Oh putain, j'ai ramassé. Non, en fait, il me fait pas plus mal que ça. Ouais, voilà, par contre, toi, tu vas prendre. Voilà, génial. Non, parce qu'après, si notre allié survit, il peut y avoir la phase de riposte, en fait. S'il est dans une distance acceptable pour pouvoir riposter, bien entendu. Alors, bon, mais lui, il s'approche un peu trop près de mon tank. Vous voyez sa vie descendre, voilà, mon tank l'a shooté. Donc voilà, là, il a perdu un control point. Les ennemis rouges, en fait, ça, dès qu'on les tue, ça nous fait lâcher des control points. Donc ça, c'est plutôt bien, quoi. On peut diminuer leur taux d'action quand ce sera leur tour. Oh putain, il me fait pas du tout mal. Je vais pouvoir faire une riposte, du coup. Oui, je suis assez près. Vous avez vu, même mon collègue derrière s'est baissé pour que je ne lui tire pas dessus. Au fond, c'est ça qui est... c'est trop drôle. Non, franchement, c'est plein de petits trucs qui fait que... Bon, là, il a passé son tour, donc c'est à moi à nouveau. J'ai 6 points d'action et diriger un char, comme vous pouvez voir, ça y est, je suis à 4. Ça me demande 2 points d'action. La barre jaune en bas, c'est mon stamina. Voilà, le tour est obligé de s'arrêter. Enfin, du moins, je ne peux plus bouger si la barre jaune est terminée. Du coup, voilà, c'est ce qui va me permettre de... en gros, de limiter mon tour, de ne pas rester éternellement. Je sais qu'il y a des ennemis ici. Ah, mais j'ai aucun visu, en fait. Faudra que je me redéplace à nouveau. Autant ne pas gaspiller mon tour, je vais tirer dans le tank. Ouais, forcément, c'était téléphoné, il y avait l'arbre. Bon, je suis obligé de le rediriger. Hein. Je vais pas laisser mon tank comme ça, vu de profil, pour qu'il puisse faire en plus démonter. Vous voyez qu'il a 2 barres de vie, body et trades. Donc en gros, c'est la vie du char, ainsi que la vie de ses chenilles, en fait. Je ne pourrai plus me déplacer s'il me pète mes 875 HP de trades. Bon, ça, la petite Nova, ça, pour les infanteries, c'est machiavélique, ce truc. Bon, là, au moins, je suis en face. Cette petite chose que vous avez vu aussi clignoter derrière le tank adverse que j'ai aussi derrière mon propre char, c'est leur point faible. Un simple coup d'un lance-roquette ou d'un canon de tank one-shot le char, en fait. Donc, il faut toujours penser à se mettre vraiment face à l'ennemi et ne pas montrer le cul du tank, en fait, à l'ennemi, car sinon, bon, voilà, c'est easy win pour l'adversaire. Ah putain, il y a une balle qui a fusé au fond, il y a Eka qui a failli défoncer le shock trooper en face. Voilà, j'essaie un petit peu de me cacher, je me sers du tank comme d'un mur, quoi. Hop là, voilà. Je sais qu'il y a aussi un sniper en haut. Non, c'est un shock trooper, autant pour moi, donc c'est un mitrailleur. Allez, on vise bien. Ok, Sweet Dreams. Ah, elle est trop classe, Marina, elle est trop classe. Bon, après 140 de vie, je crois que c'est le sniper qui a le moins de vie du jeu, mais c'est celle qui a le plus de compétences. Mais vous le verrez, donc les compétences, il pourrait y avoir un extra shot, par exemple. Vous voyez qu'après, mes balles sont notées. Imaginons qu'un sniper a 3 balles dans son sniper. C'est-à-dire qu'en gros, même si j'ai 36 000 tours, eh bien, je ne pourrais pas l'utiliser plus de 3 fois parce qu'après, j'aurais pété son quota de balles pour mon tour d'action général. Il faudra que ce soit l'ennemi qui joue, et ensuite que ce soit moi pour qu'ils reviennent ne serait-ce qu'à une balle, parce qu'ils reprennent que un point de balle chacun, en fait. Oh merde, oh je vais crever. Oh, il va me péter mon... Ah, il m'a niqué mon sniper. J'avais oublié cette scène qu'il y avait un deuxième char d'assaut ici, en fait. Putain, quelle horreur. Du coup, voilà, après, tous ne gagnent que
une balle, en fait, donc pour le sniper c'est une balle, pour le fusilier, bon, de toute façon c'est infini, pour le lanceur c'est 3 roquettes, il en a un de plus, mais ils peuvent avoir des pouvoirs comme extra shot par exemple, si vous réussissez un kill, mais juste après vous avez le extra shot qui s'active et donc vous gagnez une munition sans que votre ingénieur, en fait, hop là, sélectionnons-le, donc je vais pouvoir un petit peu aller soigner mon tank, mais l'ingénieur, à chaque fois qu'il passe à côté des autres unités, eh bien il remet full MO tout le monde. Ce sont plein de petites choses à gérer, je vous ai dit, c'est un jeu tactical, mais franchement je le trouve super bien, il est assez complet. Bon, c'est pas pour rien que je vous ai dit, c'est mon jeu préféré sur Play 3 et franchement il y a de quoi. Ce que je trouve juste dommage, c'est que il n'ait pas eu une très bonne communication et peu de gens le connaissent. Et franchement, au début il avait pris 18 sur 20 sur JVC, il a un 17 sur 20, enfin pour être plus précis 86,50% sur Game Rankings, donc ce qui attribue plus un 17.1, 17.2 sur du sur une note sur 20. Mais voilà, non, franchement c'est super sympa. On va aller directement exploser ce tank parce que là avoir affaire à deux tanks c'est chiant. Comment se finit la partie? Vous voyez ce gros drapeau rouge, il faut que je le prenne, en fait, ce drapeau qui est à ma droite. Donc là je me calibre exprès pour avoir le point faible et voilà un one shot sur un light tank. Bon, ben voilà qui est fait, on va caler le tank histoire de ne pas se faire dégommer. Du coup il me reste 2 points d'action. On va aller faire le ménage sur ce tank là. J'espère que mon lanceur va pas se faire démonter, parce que ben, le tank s'il me tire dessus je suis vraiment dans la merde. Dans la logique, non, ça va, c'est bon, je suis arrivé à le contourner, je vais pouvoir le démonter. Ah, je me fais tirer dessus. Oh, ils sont loin quand même, hein. Bon, c'est pas grave, allez, one shot sur le tank. Yes, Elise a bien joué son rôle de lanceur. Non, voilà, après il faut vous faire une équipe à peu près vraiment formation de base, genre 3 fusiliers ou 3 shock troopers, suivi d'un lanceur, un sniper et un ingénieur. Du coup voilà, vous pouvez placer jusqu'à 9 membres. Plus le jeu va avancer, plus les difficultés seront prendront de l'ampleur. Là j'appelle bon du coup le médic pour récupérer mon soldat et je peux ensuite le rappeler au tour suivant vu qu'il s'est fait soigner. C'est pour ça que dans notre roster, dans notre gros roster, quand je plaçais les membres, vous avez vu que j'avais plusieurs joueurs. Ce qui fait que en fait putain, ça c'est le ce shot de Eddie, il est vraiment monstrueux, il s'attaque directement à la vie sans compter l'armure de l'adversaire, et ça c'est vraiment trop bien quand il s'active. Du coup voilà, je pourrais le réutiliser, mais si je veux de suite un autre sniper le temps qu'il soit soigné, ben, vous avez vu que j'avais d'autres snipers dans mon escouade, donc je peux en appeler d'autres. Bon là, je vois pas l'utilité, parce que bon, ça se voit que la partie se gagne, c'est une des premières, c'était plutôt pour vous montrer de quoi il a retourné. Bon, la grenade me pète dans les chenilles, c'est pas grave, il me reste 5 tours. Non, il lui reste 5 tours, pardon. Mais bon, là, ils ne font pas plus mal que ça. Je ne peux pas avoir un tour de riposte avec le lanceur, parce que bon, ben voilà, le bazooka, ce n'est pas une arme de riposte. Si ça avait été pour n'importe quel autre joueur, sauf le sniper aussi, le sniper ne riposte pas. Il faut prendre compte de tout ça, mais après, c'est à lire, vous l'apprenez avec le temps, et puis voilà, il n'y a pas de raison. Bon, eux, ils me font un petit peu trop chier. On va prendre la Nova antipersonnelle, donc vous voyez je n'ai qu'une seule payload, en fait, donc ce que j'appelle moi plus communément la Nova, par tour. Néanmoins vous avez vu dans un premier rapport que j'avais un gros carré avec plusieurs carrés de couleurs à mettre dedans, et bien il y en avait un qui me prenait 3 slots et qui me rajoutait en fait une munition de ce payload en plus. Donc après c'est en fonction de votre façon de jouer, vous affinez votre tank. Bon, lui il me voit même pas, ça va être... Ça va être génial. Bon, après, il faut éliminer tous les gens autour du drapeau pour pouvoir prendre la zone. Je ne lui ai pas du tout fait mal. Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Oh, je vais ramasser. Oh, putain, 4 de vie. Non, non, non. Oula. Voilà, quand on fait tour, fin de tour, ils ne peuvent plus tirer. Mais par contre, si je restais comme un con sans faire aucune action, ben, ils continuent à me tirer dessus. Putain, 4 PV pour Aika, ça va être chaud. Il faut absolument que... je sais pas, faut que je remonte, faut que je pète tous les gars. Oh, c'est chiant. Enfin voilà, vous voyez, après il peut y avoir des phases d'attaque, contre-attaque, vous pouvez perdre l'avantage pendant une partie, le regagner par la suite. Non, franchement, il a vraiment tout pour plaire, honnêtement. Après, c'est pas un jeu de bourrin, quoi, vraiment. Ça va être un jeu qui va s'attribuer aux gamers un petit peu tacticiens, qui pètent pas dans l'art, qui veut un petit peu avoir le contrôle d'une situation. Et ça, c'est vraiment... Non, non, mais c'est vraiment génial, quoi. Il a tout pour plaire. Moi, je vous invite grandement
à vous l'acheter. En plus, il est au prix de 29€ dans plusieurs points de vente, si ce n'est même moins cher chez certains concurrents. Il ne coûte même pas plus de 30€. Si vous l'achetez plus de 30€, vous faites arnaquer, attention. L'édition boîte coûte bel et bien moins de 30€. Bon, alors du coup, là, on va essayer de le défoncer. Non, franchement, pour ce prix-là, c'est un petit plaisir à se faire, et puis c'est un très bon jeu, honnêtement. Franchement, GG Sega, quoi. Vraiment. Bon, il me reste plus qu'un gars, je suis obligé de terminer, j'ai plus de tours. Ennemi phase. Non, vraiment, c'est génial, croyez-moi, il est... Enfin, vous le voyez par vous-même, c'est... Bon, je me suis fait démonter. J'espère que l'ennemi va pas aller sur mon corps, parce que s'il l'attrape, en fait, ben, il le capture, et vous perdez définitivement ce personnage jusqu'à que vous recommenciez le jeu. Vous aviez une zone dans le book mode qui s'appelait le cimetière. Et si vous perdez votre personne, en fait, il est dans le cimetière. Vous pouvez juste aller voir les personnages que vous avez perdus durant le jeu. C'est pour ça qu'il y en a près d'une centaine, en fait, de personnages. C'est pour ça qu'ils sont si nombreux. Bon, il a fait fin de tour, donc tant mieux, j'ai pu le défoncer. Je vais appeler le médic en me rapprochant de mon personnage à moi, et puis après on peut récupérer les personnages adverses pour pas que les autres appellent des médics, mais bon, les ennemis eux, apparaissent toujours en surnombre, ils claquent leur point d'action pour appeler des gens en veux-tu en voilà, donc c'est même pas négligeable de prendre les ennemis. Bon, je prends celui qui a la stamina la plus haute, c'est-à-dire le fusillé, et on va aller prendre ce drapeau et terminer la game. Voilà, voilà. Bon, et bien du coup, je vais m'arrêter là. J'espère du coup que mon test de Valkyria Chronicle Remastered sur Play 4 vous aura plu. Sur ce, je vous dis à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien, et à ciao !